Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sous la canopée, ici Monsieur Green. La semaine dernière, Dennis Meadows nous en apprenait un peu plus sur sa vision très singulière de notre futur. Dans un contexte où nous allons tous subir une décroissance, qu'elle soit voulue ou imposée par le simple fait que les ressources naturelles se raréfient et que l'accélération des événements climatiques s'amplifie, détériorant les activités humaines jusqu'à leur propre vie. Dennis Meadows nous interpellait sur le type de gouvernance que ces événements inédits allaient faire apparaître au cours des futures décennies. Dans un contexte de décroissance, quel type de gouvernement des peuples peut-il être efficace? Telle est la question. Nous savons aujourd'hui pertinemment que le type de gouvernance en place n'est plus objectivement apte à diriger les peuples vers un futur sur le long terme. L'évolution médiatique et culturelle de la politique, mais également l'évolution sociétale dans son ensemble, nous laisse ce goût plus qu'amer de n'avoir finalement aucun impact clair et évident sur nos politiques. Rassurez-vous, le monde entier subit ce même appauvrissement des dirigeants. D'un statut qui nous semblait légitime à l'après-guerre, après avoir subi la dévastation et les morts, la reconstruction autour d'un idéal commun bâti sur le long terme était une évidence. L'industrialisation a permis à pratiquement chacun d'élever son niveau de vie et à ce moment-là, malgré la corruption déjà en place au sein des élites, leur promesse de croissance nous permettait de fermer les yeux. Du moins, pour la majorité de ceux qui voyaient leurs revenus individuels augmenter et qui jouissaient de l'état-providence, de la santé, de son éducation dispensée et bien plus. Mais aujourd'hui, que peuvent nous promettre nos élites? Cet été, le premier ministre français Jean Castex prononçait ce discours. À l'heure où l'humanité traverse l'une des pires crises depuis des décennies, à l'heure où les entreprises luttent pour sauvegarder leur emploi, à l'heure enfin où les Français et Françaises craignent pour leur avenir, l'écologie est-elle une priorité? La réponse est clairement oui. Dans mon esprit, la netteté de cette réponse a sans doute été retardée par les tenants d'une écologie punitive et décroissante, d'une écologie moralisatrice, voire sectaire, qui sans doute de parfaite bonne foi, ont beaucoup nui et continuent de desservir la cause. L'écologie à laquelle je crois est enfin une écologie de l'innovation et de la croissance. À cette déclaration, nous pouvons observer deux éléments distincts. L'écologie est une priorité et sur ce point, le Premier ministre a bien raison. Qu'est-ce que l'écologie aujourd'hui si ce n'est de se mettre en adéquation avec notre environnement, sauvegarder notre lieu de vie pour pouvoir y vivre éternellement, prendre conscience que nos niveaux de consommation énergétique sont trop élevés pour satisfaire chacun et surtout pour maîtriser le réchauffement climatique créé par nos activités. En gros, aujourd'hui, si l'écologie ne devient pas l'indice de référence de notre développement en prenant la place du PIB, nous courons au chaos, un chaos qui signifie d'ores et déjà, vu l'étendue de nos connaissances scientifiques, à des milliards de morts d'ici à 2100, un peu plus de trois générations. Aussi oui, l'écologie est une priorité. Le second point relevé dans cette déclaration est l'aspect très négatif dont le Premier ministre parle d'écologie. En mentionnant punitif, décroissant, moralisateur, sectaire, bonne foi, nuire et desservir, vous avez un cocktail de mots qui pourrait vous faire craindre, voire haïr l'écologie, comme une secte minoritaire qui souhaiterait s'accaparer sournoisement de votre cerveau. Ici, l'argumentaire est complètement faux. L'écologie est l'état naturel de l'homme,
contrairement au néolibéralisme installé depuis une bonne vingtaine d'années qui a formaté nos désirs en nous permettant de tout imaginer si nous étions en capacité financière de le réaliser. C'était peut-être vrai avant les rapports sur le climat, avant la prise de conscience globale du colonialisme financier et de tous ses abus, l'esclavagisme délocalisé, la dévastation environnementale pour l'accès aux ressources, comme les forêts, les océans, nos biens communs en tant qu'êtres humains. Cette mondialisation excessive touche à sa fin, et nombreux sont les facteurs visibles ou même scientifiques qui nous l'indiquent. Il ne s'agit pas d'une bonne foi, mais bien de données scientifiques mondiales. Il ne s'agit pas d'une secte non plus, excepté si ceux qui se soucient du long terme pour leurs enfants peuvent y être assimilés, et ce n'est pas non plus de la croissance telle que nous l'avons connue. Les investissements financiers actuels sont complètement hors de l'économie réelle, et si croissance il y a, elle sera très peu perceptible avec la dette engendrée par le Covid, par exemple, mais également par l'ensemble des menaces climatiques, sécheresses, inondations, catastrophes qui s'accentuent d'année en année, menaçant les assurances d'une banqueroute certaine. La casse massive de l'emploi industriel arrive, l'augmentation des coûts liés à notre survie va décoller d'ici quelques décennies, énergie, alimentation. Alors que vaudra le dernier iPhone pour celui qui n'a pas accès à l'eau? Nous accorderons tout de même au Premier ministre le mot de la fin, avec innovation, car oui, l'humanité doit se réinventer dès aujourd'hui et rapidement. Car s'il y a écologie punitive, c'est que nous aurons trop tardé à changer. N'oublions pas que le capital de chacun est l'unique accès à l'égalité sur les ressources nécessaires à la vie, puisqu'aujourd'hui tout est privatisé. Et tout est marchandise, aussi quand les smicards basculent chez les pauvres, que les classes moyennes basculent vers les smicards, et que les classes hautes basculent en classes moyennes, que se passe-t-il généralement chez les humains ? La recherche incessante du bouc émissaire, qui permet de justifier notre malheur. Aussi, l'écologie ne doit pas, et surtout pas, diviser. Au contraire, elle doit nous rassembler sur des enjeux bien plus vitaux que notre bien-être individuel. Et là repose la difficulté d'être gouverné par une équipe qui ne vous propose que votre croissance individuelle. Nous la souhaitons tous, mais à quoi nous servirait-elle dans un futur dévasté ? À écraser l'autre plus vite que celui qui nous écrasera ? C'est à ce moment précis que je souhaiterais vous parler d'un jeune philosophe français, Marc Alizart, qui par son travail souhaite détacher une contre-histoire de la modernité. Effectivement, celle-ci nous est racontée par le prisme de nos désirs, mais si nous faisons un pas de côté et de manière objective, prenons l'ensemble du panorama dans lequel nous vivons, comment pourrions-nous raconter cette modernité ? Eh bien, Marc Alizart introduit un tout nouveau type de gouvernance qu'il appelle le carbofascisme. Vous savez ce qu'est le climato-scepticisme ? Il s'agit de ne pas croire que l'activité humaine contribue au réchauffement climatique, voire que celui-ci n'a pas lieu d'être, et que la croissance n'en est pas la cause. Eh bien non. Selon le philosophe, il ne s'agit pas d'une façon de penser de manière abstraite, mais bien une manière de gouverner. À travers son ouvrage intitulé « Un coup d'État climatique », nous comprenons mieux que nous ne vivons pas une crise climatique, crise qui signifie être surpris, comme le Covid ou bien un attentat pourrait nous surprendre. Le réchauffement climatique est connu depuis des décennies et documenté par des milliers d'études scientifiques. Il ne s'agit donc pas d'une crise, mais d'un délit d'initié, d'un coup d'État. Selon lui, la crise climatique est le but ultime du capitalisme. La relation qui s'instaure entre les deux, au niveau politique, se résume à deux avis. Soit le réchauffement est nié, car le capitalisme n'y trouve aucun intérêt de développement et qu'il coûterait trop cher en perte nette, assurance ou prime, et ça c'est la vision de la droite. Soit nous avons la conviction que le capitalisme détruit le climat, mais de manière toujours involontaire, et là nous sommes à la gauche de l'échiquier. Et pour cause, nous ne pouvons pas nous imaginer scier la branche sur laquelle nous nous sommes assis. Aussi, lutter contre le réchauffement, c'est engloutir des milliards pour un résultat incertain, alors que de laisser faire, à l'inverse,
permet d'économiser ses milliards tout de suite et de récupérer le triple derrière. Il faut pour cela se placer dans le court-termisme pour le comprendre. Un simple exemple ici. Lors du passage de l'ouragan Katrina aux États-Unis, les plus pauvres ont dû quitter la région faute d'assurance adéquate, ce qui a permis, par la suite, aux promoteurs de rafler l'ensemble. Chose qu'ils n'auraient pas pu faire auparavant, et provoquant ainsi une gentrification, terme signifiant un embourgeoisement. Aussi, le réchauffement climatique pour les investisseurs représente un peu une possibilité d'un Katrina sur l'ensemble de la planète. Toutes les crises ont un potentiel de privatisation. Pour cela, il suffit de regarder les élites mondiales à l'œuvre. Trump qui se faufile en Alaska pour des recherches d'énergie fossile, avec la fonte des glaces. Poutine qui fait de même via le nord-est de la Russie. Les courtiers ont obtenu la privatisation de l'eau, bonne affaire étant donné les canicules répétitives. Mais c'est aussi la vente à prix exorbitant de semences résistantes aux sécheresses ou bien encore le négoce d'armes avec des dictateurs menacés par leur population affamée. De ces constatations, vous concevrez alors que les populations ruinées et les PME faisant faillite n'intéressent plus personne. Le désastre climatique ne fait courir aucun risque au capitalisme. Au contraire, il a une vocation à l'entretenir. Il est une série de destructions créatrices, où la destruction joue un rôle aussi important que la création. Regardez la crise du Covid et les rebondissements du CAC 40, ou encore la recette financière générée par la vente de gel hydroalcoolique ou encore de masques de protection. Dans toute catastrophe, le capital se fait une joie. La destruction permet de purger, comme un krach financier par exemple, où les pertes seront nationalisées pour mieux repartir sur de la création. Aussi, le climato-scepticisme n'est pas une manière de penser, mais bien une politique mise en place à travers la planète. Un dernier élément relevé par le philosophe sur fond de crise climatique est la possibilité d'en finir avec ce vieux caillou coincé dans la chaussure du capitalisme appelé démocratie. Et pour cause, la menace climatique représente également l'arrivée de millions de migrants qui seront dans la nécessité de se déplacer s'ils ne souhaitent pas mourir. Plus de 250 millions d'ici à 2030. Que feront les nations européennes avec ces millions de réfugiés climatiques à leurs portes? Nous pouvons déjà l'observer en Méditerranée où tous les jours des hommes, des femmes et des enfants meurent faute d'être secourus. Que feront les nations européennes? Elles nous feront souhaiter la loi martiale. Le philosophe Marc Alizart voit depuis quelques décennies s'installer à travers le monde un tropisme qui est caractérisé de populiste à tort, car il s'agit bien de fascisme caractérisé par des ploutocrates comme Donald Trump ou encore Boris Johnson en Angleterre. Il cible une base électorale constituée de déclassés de la mondialisation, à qui a été faussement promis que la déstructuration de la classe moyenne irait de pair avec leur ascension. Contrairement au fascisme des années 30, il trouve son essor dans la crise climatique et est appelé carbofascisme ou encore écofascisme. Il se nourrit de la crise climatique pour punir simultanément la classe moyenne urbaine en disruptant les villes, trop sophistiquées pour faire face à des tempêtes, des canicules et surtout dépendantes d'approvisionnements alimentaires produits à la campagne par les déclassés, les non-blancs, parce que d'évidence les pays les plus sensibles aux écarts de température et d'hygrométrie ne se trouvent pas dans les zones tempérées. Le classisme et le racisme, qui sont les deux composantes traditionnelles du fascisme, trouvent ainsi à se réaliser dans le dérèglement climatique qui devient ainsi non seulement inévitable, mais souhaitable. Nier le réchauffement climatique permet de faire croire que notre vie passée, riche et épanouie au niveau individuel, va continuer. Mais plutôt que d'être clair en annonçant la couleur, c'est-à-dire par la destruction planétaire et la barbarie mondialisée, nous continuons d'entendre le mot croissance économique comme un dû et notre environnement naturel, notre habitat, notre air, notre eau, notre alimentation comme secondaire. La menace est donc bien réelle pour l'humanité. Ne tombons pas dans une phase amnésique, soyons vigilants et pour terminer, oui, l'écologie est une priorité. C'est tout pour aujourd'hui. Excellente semaine à toutes et à tous. C'était Monsieur Green.
ambitions. Comment c'était? Oh, 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 c'était un pur, absolument délire. J'ai trouvé ça quoi, Green, oui. Green, comment? Oh, super Green. Green, aussi green que ça peut être. Green, 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 tu vois? Mais tu vois, green, 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 green